Alors les amis, avant de commencer la vidéo, je vous invite à cliquer sur la petite cloche si vous êtes déjà abonné et de cocher la case qui vous propose de vous envoyer les notifications par rapport à cette chaîne. Du coup, comme ça, vous recevrez toutes les notifications de nouvelles vidéos qui sortiront sur ma chaîne YouTube. Encore merci à toutes les personnes qui le feront. C'est important pour moi, mais c'est aussi important pour vous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire une belle maison moderne dans Minecraft. Alors en espérant qu'elle vous plaira. Et maintenant sans beaucoup tarder, on se retrouve tout de suite à la vidéo, c'est parti. Alors les amis, pour commencer, dans un premier temps vous allez ouvrir votre inventaire et vous allez vous équiper de laine bleu clair, des verres noirs, des vitres noires, des planches de chêne noir, des escaliers en bois de chêne noir, des dalles en bois de chêne noir, de la pierre lumineuse, une porte et des blocs d'herbe. Voilà. Alors pour commencer les amis, vous allez prendre la laine bleu clair. Vous allez en placer 4 l'une par-dessus l'autre. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, super. Vous allez laisser une case d'espace et vous allez placer 4 autres. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, super. Donc pour la première, vous allez rallonger ça 2-3 blocs. Donc 1, 2, 3. Voilà. Donc 4 par 4, donc 1, 2, 3, 4, vous allez rallonger ça jusqu'au sol comme ça, super. Là, de l'autre côté, vous allez faire de 6 par 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, par 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et là, vous allez rallonger ça jusqu'au sol, super. Là, ça donne ça les amis. Là, ce que vous allez faire par la suite, vous allez prendre les planches de chêne noir. Ici, vous allez placer 1, 2, 3 planches comme ça, vous allez laisser une case d'espace et vous allez placer 3 autres. Super, comme ça. Ici, vous allez placer un autre bloc. Super, vous allez prendre les dalles en bois de chêne noir et vous allez tout simplement fermer ça comme ça par-dessus. Excellent. Là, vous allez prendre les vitres noires. Vous allez en placer deux ici, les amis. Et vous allez placer la porte juste là. Voilà, excellent. Là, les amis, ce que vous allez faire, vous allez prendre la pierre lumineuse. Vous allez avancer d'un bloc. Vous allez placer ça juste ici, vous allez faire la même chose de l'autre côté, donc vous allez avancer d'un bloc, vous allez placer la pierre lumineuse juste ici, excellent, et là par dessus vous allez prendre les verres noirs et vous allez placer ça comme ça, voilà, super, donc ça donne ça les amis. Maintenant ce que vous allez faire de ce côté, vous allez rajouter 3 laines bleu clair comme ça, super. Là ici vous allez placer 3 dalles comme ça, en diagonale, super, vous allez prendre les planches de chêne noir et vous allez rallonger ça jusqu'au sol comme ça, voilà évidemment pour soutenir la maison, donc vous allez faire ça pour les deux autres aussi, super, vous allez prendre la lame bleu clair, vous allez placer deux autres ici, vous allez ajouter une autre colonne comme ça, voilà super, et là ce que vous allez faire les amis, ici vous allez simplement fermer ça comme ça, super. Là de l'autre côté vous allez prendre des vitres noires que vous allez placer ça, voilà super. Ici vous allez prendre les dalles en bois de chêne noir et vous allez faire tout juste comme moi, ce qui rend la maison beaucoup plus moderne je trouve. Et là ici ce qu'on peut faire, on peut tout simplement placer des dalles comme ça vers l'extérieur. On va prendre les blocs d'herbe, vous allez placer 3 autres juste ici, excellent. Et voilà les amis, l'extérieur est terminé. Alors avant de passer à l'intérieur, nous allons faire un peu de décoration pour rendre la maison évidemment beaucoup plus belle. Donc là, vous allez simplement retirer tout de votre inventaire. Vous allez prendre maintenant des feuilles de chêne, vous allez prendre des blocs d'herbe, vous allez prendre des herbes, des hautes et des normales, voilà. Là vous allez prendre également des trappes en bois, super. Et vous allez prendre également une tulipe blanche, voilà. Donc là ici les amis, vous allez placer une feuille de chêne comme ça, super. D'ailleurs ici j'ai oublié de placer l'escalier par dessus la porte, voilà, comme ça ça rend très très beau. Donc là, ce que vous allez faire par la suite, ici les amis, vous allez placer un bloc d'herbe avec une tulipe par-dessus. Voilà, vous allez prendre une trappe en bois et vous allez placer ça comme ça. Super. Ici, vous allez placer deux blocs d'herbe comme ça. Et vous allez
entourer ça par des trappes en bois également. Voilà, en fait, on va placer ça comme ça. Super, vous allez prendre deux herbes que vous allez placer comme ça. Super, là, ici, les amis, ce que vous allez faire, vous allez prendre la poudre d'os. Et vous allez tout simplement rajouter ça comme ça autour de la maison pour donner un effet beaucoup plus beau. Et là d'ailleurs, ici sur les trois blocs d'herbe, vous allez prendre des autres herbes et vous allez placer trois comme ça. Voilà, ça rend très très beau. Donc voilà les amis, là ce que vous allez faire, vous allez prendre deux boutons. Donc là j'improvise les amis, on va voir si ça rend plus beau. Donc on va placer deux juste ici. Vous allez prendre deux dalles en pierre, des dalles en pierre que vous allez placer comme ça. Voilà, on va voir si ça fait beau. Donc voilà, là j'improvise les amis, on va voir ce que ça donne. Bon, je trouve que ça rend beaucoup plus beau, alors on va laisser ça. Donc voilà, on a ajouté les dalles de pierre juste ici et deux boutons juste là. Et voilà, donc c'est tout pour l'extérieur. Donc voilà, j'espère que ceci vous plaît. Pour l'intérieur, les amis, vraiment, j'ai rien de planifié. Et d'ailleurs, j'avoue que c'est assez petit. Donc, vraiment, vous placez tout ce que vous avez de nécessaire. Donc, le lit, l'établi, le fourneau. Voilà. Donc là, pour commencer, vous allez enlever les blocs d'herbe. Vous allez remplacer ça par des planches de bouleau. Voilà. Alors, on va faire ça vite fait ensemble, les amis, comme ça. Ici d'ailleurs, vous allez placer deux pierres lumineuses en dessous des vitres. Voilà, super. Là, nous allons remplacer la porte juste ici. Excellent. Donc là, pour l'intérieur, les amis, vous allez prendre un lit, un coffre, un établi, un fourneau. Et voilà. Donc nous allons placer le lit juste ici. Nous allons placer deux coffres. Nous allons placer trois coffres en fait. Et là, ici, vous allez placer le fourneau. Parfait. Et vous allez placer l'établi juste ici au coin. Excellent. Là les amis, pour la décoration, vous allez prendre des tapis. Donc personnellement, je vais prendre les tapis de couleur bleue. Et je vais placer ça comme ça. Voilà. Je vais prendre également des tapis de couleur noire. Et voilà. Ça rend très très beau. Donc voilà, vous pouvez ajouter aussi tout ce que vous voulez les amis. J'avoue que l'intérieur est assez petit, mais bon, l'extérieur, je trouve qu'il est magnifique. Alors, j'espère que la maison vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, la dédicace cette fois-ci, les amis, est dédiée à Florian. Donc, merci, mon ami, d'avoir activé la cloche. Si vous voulez une dédicace, il suffit simplement de vous abonner à la chaîne, de mettre le pouce bleu des familles et d'activer la cloche pour recevoir mes notifications. C'est la partie la plus importante. Et après que ces trois étapes sont faites, dites-moi-le en commentaire pour une chance d'avoir une dédicace en pleine vidéo, voilà. Et à ça, je vous laisse les amis et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'était...